la machine pour la raclette aussi déjà. Ou bien on range d'abord tous les courses aussi avant de sortir la machine. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec cette nouvelle vidéo, retour de course, souper du soir. Bon, ce soir, on va manger la raclette et des saucisses grillées. Là, mes courses, je n'ai pas encore rangé. Donc, dans cette vidéo, je vais ranger toutes ces courses et puis préparer le souper. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus vers le haut, à me laisser vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bon, je range d'abord ma vaisselle de midi là. Et après, on met les patates à cuire. J'en ai pas assez. J'ai trouvé du poulet en action au Lidl. C'était 5 francs le kilo, 6 francs le kilo. 6 francs le kilo le poulet. Ils avaient fait quoi? 40%. J'ai pris 2 kilos. J'ai pris les saucisses, c'était aussi en action. Les saucisses. 2 francs 19 au lieu de 3 francs. Des saucisses de Vienne. J'ai pris du jambon Terra Nature, Natural et Cotto. C'est du jambon cuit. Ça vaut la peine d'acheter au Lidl parce que moi chez Migros je l'achète à 1,25 francs je crois, et au Lidl c'est 99 centimes. Au Lidl, les yogourts pareil, c'est quoi, c'est 33 centimes. Ouais, on va faire une overdose de fromage. C'était en action, c'est les mentales. C'est aussi en action. Ils ont les actions tout le temps. Ça c'est du gruyère, le gouda. C'est très bon. Là, c'est du lard fumé. Et je trouve qu'ils sont quand même chers. Comparé à Migros, c'est cher au Lidl, le lard. C'est 8 francs. 8 francs le truc. Ouais, c'est 7 francs 98. C'est 500 grammes. 502 grammes. Le kilo, c'est 15 francs 90. Au Lidl, j'achète presque... à la Migros, j'achète presque un kilo à... 10 francs, 11 francs, presque un kilo. Bon, ça vaut la peine d'acheter chez Migros, mais j'allais pas aller dans un autre magasin seulement pour ça. Donc du coup, j'ai acheté. Il y a ça aussi que les enfants aiment beaucoup. C'est un peu comme du panettone. Donc c'est un gâteau, c'est très bon. On mange ça pendant les fêtes de Noël. Et à Pâques aussi, ça se mange à Pâques et à Noël. Pendant la période de Noël, c'est très bon. C'était en action, j'ai pris, c'était 5 francs et quelques. C'était en action, ça valait la peine. Les enfants, ils aiment beaucoup, j'ai pris ça. Je mange ça comme dessert. Ou au petit déjeuner. Les brocolis aussi, c'était à 39 centimes. Les 500 grammes, ça valait la peine. J'ai pris vraiment une grande quantité. Les poivrons aussi, c'était en action, 70 centimes, les 500 grammes, j'ai pris plusieurs. Les châtaignes, c'était à 99 centimes, les 100 grammes, là j'ai pris 1 kilo. Et il y avait aussi le fromage à raclette, c'était à 9 francs 99, 1 kilo. Donc ils ont fait les packs XXL comme ça, c'est un fromage à raclette, c'est nature. 1 kilo à 9 francs 99. Oui,
au lieu de... Parce que les 500 grammes, normalement, ça coûte... 500 grammes, normalement, ça coûte 11 francs. Mais là, ils ont fait un pack d'un kilo à 99. À 9 francs 99. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris les chips, les trucs pour l'apéro. J'ai pris des pois, des yogourts, du pain, des pâtes, des petites pâtes. Donc, quand je fais du poulet au four, on mange généralement avec des petites pâtes ou des pommes frites ou des pommes que je fais griller dans le four. Bon, j'ai pris des bananes. J'ai trouvé aussi ces boules pour le sapin. J'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est du doré. C'est très joli. Doré, pailleté, c'est très beau. Donc je vais compléter avec des boules que j'ai déjà. Parce que j'ai déjà d'autres boules. Elles sont très jolies. Très, très jolies. La levure pour faire le pain et les beignets, des œufs, peut-être aussi du chocolat. Peut-être en semaine je vais faire la pâtisserie, je vais faire soit des biscuits de Noël ou des cookies avec les enfants. J'ai trouvé aussi cette robe au Lidl. Elle n'était pas très chère, je crois qu'elle était à 11 francs et à 12 francs et quelques. Ça va. Très joli, je trouve. Je vais essayer porter, je verrai ce que ça donne. Si jamais c'est pas beau, je retourne dans le magasin, mais pour l'instant comme ça j'ai trouvé que c'était joli. Là c'est du grana, du fromage râpé pour les pâtes, et là c'est l'apéro, des biscuits pour l'apéritif. Je pense et tout. J'ai aussi acheté la saucisse de lion. Mon fils, j'ai fait goûter à mon fils de 4 ans. Il a aimé. Du coup, j'ai pris deux. Il a aimé. Ils ont tous aimé en tout cas. J'ai pris deux. Et des yogourts pour ma fille. J'ai pris aussi ça. Et la compote pour le bébé. J'ai pris, enlève l'eau, il y a trop d'eau, mets juste un peu d'eau. Je m'adresse à mon fils, il a mis les patates à cuire. Il est là. C'est lui le cuistot du soir. Ce soir, il fait le cuistot. Pendant qu'il cuisine, il prépare tout, je vais ranger les courses. Caméra, arrête de gripper, de pêcher. Je vous déconseille de mettre ça dans votre poubelle. Non, 32 gigas, c'est pas beaucoup. Je vous déconseille. Parce que aller mettre ça dans la poubelle du ça sent comme des pieds. Les applications, regardez, les blocs téléphones, enfin, il y a un capteur d'empreinte digitale derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais je trouve que c'est quand même grand. Un poil plus petit aurait été mieux. Je fais ça comme ça avec des bottines. J'aime, il y avait des bottines. Ces bottines, j'ai acheté sur Zalando il y a quelques années. Donc, je vais vous mettre le lien, le nom. Si je retrouve, je vous mettrai le lien en commentaire. Non, ça va. Attention à l'huile.
n'ai pas mangé la moitié. Donc, je vais emballer, mettre au frigo. Je vais emballer et mettre au frigo. Là, je retourne dans la boîte à pain. Je l'ai acheté il y a une année en action chez Lidl. C'était à 29, mais non, je crois 30 balles. Je vais ranger tout ce qu'il y a à ranger demain parce que je suis fatiguée. Là, il est 22h05 et les enfants ne sont pas encore au lit. Bon, c'est parce qu'on est le week-end, c'est vraiment une exception. Le vendredi soir, je ne les mets pas tôt au lit. Donc, il est 22h, ils sont au salon en train de jouer avec leur papa. Maintenant, je vais aller les préparer pour le lit. Je me prépare aussi. Et puis, je vais me coucher. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Partagez aussi la vidéo. Likez. Laissez-moi un petit commentaire pour me faire savoir que vous êtes passé par là. Sur ce, je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.